Bonjour les rubans, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Vraiment, cette information m'a vraiment surpris, voire même trop surpris. Dans cette vidéo, nous allons entendre un monsieur qui va nous dire ce dont est réellement capable le président russe Vladimir Poutine. Vous risquez d'être surpris par ce qu'il va dire. Écoutons ça. La France et l'Europe, est-ce que ça a un poids sur Vladimir Poutine ou aucun? Aucun, Aucun. aucun. Il n'a jamais Zéro. pris au sérieux. Il a Donc pourquoi il a toujours. reçu Emmanuel Macron? Comme ça, c'était... Bah, parce que c'était la manipulation. Pendant ce temps-là, il préparait vraiment sa guerre. D'accord. Et donc, en fait, il a manipulé. Donc il s'est foutu de notre gueule. Absolument. On parle aussi de cyberattaque. Et ça pourrait aussi vraiment paralyser le pays et les différents pays européens. Les cyberattaques, on sait que c'est très possible que la Russie puisse en faire une sur la France et sur différents pays d'Europe. Ça, c'est quelque chose qu'il peut utiliser très vite. Oui, ça, il peut Ça utiliser fait parce quoi? que c'est facile à Ils utiliser. peuvent bloquer quoi? La lumière. Actuellement, tout est géré par ordinateur. C'est ça. Vous avez les centrales nucléaires qui sont gérées par ordinateur. Vous avez nos trains qui sont gérés par ordinateur. Vous avez nos feux rouges qui Non. sont gérés par On peut ordinateur. paralyser tout le pays. Les hôpitaux, Bloquer les missions TPMP. Tout ce qui est géré par ordinateur, bah, il peut bloquer. Ils l'ont déjà fait. Parce qu'aujourd'hui, il est président de l'Europe depuis janvier. Tout ce qui est géré par ordinateur, bah, il peut bloquer. Ils l'ont déjà Il n'y a fait, plus aucun avion. Vous avez plus d'hôpitaux. Vous avez plus de trains. Plus de bus. Rien. Ça, Rien. Ils peuvent le faire. Rien ne Et bouge. ça, ils peuvent le faire très vite. Et ça, il peut le faire, malheureusement. Et ça, c'est possible qu'il le fasse. Moi, je pense. Bah, il l'a fait aux États-Unis. Ouais. Oui, donc il peut le Et faire. les aux États-Unis, Il il l'a fait l'a les fait. Pays baltes aussi. Ils ont bloqué les hôpitaux des pays baltes et une partie du système bancaire également. C'est ça. Ouais. Donc C'est ça, il ça. peut le faire. Et ils ont les capacités pour le faire, oui. Et moi, je pense que quand il parle de menace, je pense qu'il parle de ça. Ouais. Il y a l'arme nucléaire et il y a ça, effectivement, oui. Voilà, donc c'est les deux. Je pense qu'il pourrait commencer par ça et après aller encore plus loin. Ouais. Donc c'est Ouais. comment on ferait si ça arrivait ça? Parce que ça peut arriver très vite. Donc là, toute l'Europe serait paralysée. Sérieux. Oui. Bon, oui. Bah, le truc, en fait, dans notre KGB, on avait la direction des illégaux. Oui. J'étais dans cette direction-là. Oui. Et en fait, on avait un détachement rapide. C'était une centaine d'hommes. Avec 100 hommes qui sont bien entraînés, on peut Ah tout oui, ce qui est ça, géré par oui. ordinateur, bah, il peut bloquer. Ils l'ont déjà Il n'y a fait plus d'ailleurs. aucun avion, vous avez plus d'hôpitaux, vous avez plus de trains, Ah. plus de bus, rien. Ça, Rien. Il dit que tout ce qui est géré par ordinateur peut être bloqué par Vladimir Poutine, le président russe. Bancaire. Rien ne Et bouge. ça, il peut le faire très vite. Et ça, il peut le faire, Et malheureusement. ça, c'est possible qu'il le fasse, moi je pense. Bah, il l'a fait aux États-Unis. Ouais. Vous avez entendu ça? Je voulais juste un peu. Rapide, c'était une centaine d'hommes avec 100 hommes qui sont bien entraînés. On peut Ah tout oui, ce qui est ça, géré par oui. ordinateur, bah, il peut bloquer. Ils l'ont déjà Il n'y a fait plus d'ailleurs. aucun avion, vous avez plus d'hôpitaux, vous avez plus de trains, Ah. plus de bus, rien, Ça, il rien peut ne bouge. bancaire. Rien ne Et bouge. ça, il peut le faire très vite. Et ça, il peut le faire, Et malheureusement. ça, c'est possible qu'il le fasse, moi je pense. Bah, il l'a fait aux États-Unis. Ouais. Oui, donc il Oui. peut le Et faire. aux États-Unis, Il l'a il l'a fait les fait. Baltes aussi. Ils Ouais. ont bloqué les hôpitaux des pays baltes et une partie du système bancaire également. C'est ça. Ouais. Donc C'est ça, il peut ça. le faire. Ils ont les capacités pour le faire, oui. Et moi, je pense que quand il parle de menace, je pense qu'il parle de ça. Ouais. Il y a l'arme nucléaire et il y a ça, effectivement, oui. Voilà, donc c'est les deux. Je pense qu'il pourrait commencer par ça et après aller encore plus loin. Ouais. Donc c'est Ouais. comment on ferait si ça arrivait ça? Parce que ça peut arriver très vite. Donc là, toute l'Europe serait paralysée. Sérieux. Oui. Bon, oui. Bah, le truc, en fait, dans notre KGB, on avait la direction des illégaux. Oui. J'étais dans cette direction-là. Oui. Et en fait, on avait un détachement rapide. C'était une centaine d'hommes avec 100 hommes qui sont bien entraînés. On peut Ah tout oui, ce qui ça, est géré par oui. ordinateur, bah, il peut bloquer l'Europe en 2 semaines. Ouais. Tout ce qui est géré par ordinateur, il peut tout bloquer. Ça veut dire qu'il peut bloquer l'Europe en 2 semaines. Et celui qui parle là, c'est un ancien espion du KGB. Et oui. Incroyable, parce que Ah. ça fait peur. Est-ce Yeah. qu'on est prêt à affronter une cyberattaque en France? Non, parce qu'on ne sait pas ce qui va être attaqué et quelle va être l'ampleur des choses qui vont être attaquées. Vous avez des villes qui ont déjà été attaquées, par exemple pour le service des écoles. Donc on ne pouvait plus inscrire les enfants à la cantine. Et là, ça désorganise complètement une école. Vous avez des hôpitaux qui ont déjà été attaqués, notamment l'hôpital de Les Nice. médias. Et les médias Les ici. Donc médias comme on ne aussi. sait pas ce qui va être attaqué, ni Ouais. l'ampleur du dégât, ça peut être simplement un site qui ne Cyber. fonctionne pas pendant quelques heures, ça c'est pas très gênant. Et Ouais. si vous avez tout un réseau qui est complètement détruit, eh ben là, ça vous fait Et beaucoup de temps pour le mettre en place. la pire des choses, la pire des choses, il coupe l'électricité, il n'y a plus de Cyril Hanouna.
Et c'est, elle a raison. Et c'est une catastrophe nationale. Merci. On est bien d'accord. Ça sera pas la pire des choses. Juste, Sergueï, ils sont comment les États-Unis avec la Chine? Tout est possible, mais on n'est pas suicidaire quand même. Ouais. On n'est pas suicidaire. Ça veut dire que tout le monde comprend que si jamais on emploie l'arme nucléaire, c'est la fin de bloquer l'Europe en 2 semaines. L'électricité, il n'y a plus de Cyril Hanouna. Et c'est une catastrophe nationale. Merci. On est bien d'accord. Ça sera pas la pire des choses. Juste, Sergueï, ils sont comment les États-Unis avec la Chine? Tout est possible, mais on n'est pas suicidaire quand même. Ouais. On n'est pas suicidaire. Ça veut dire que tout le monde comprend que si jamais on emploie l'arme nucléaire, c'est la fin de la Terre. Mais est-ce que Vladimir Poutine n'est pas suicidaire? Il dit que si jamais on emploie l'arme nucléaire, c'est la fin de la Terre. Ça dit que tout le monde va mourir. Bien, c'est ça la question que je vous pose. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est que je ne veux pas dire qu'il est fou, parce que s'il est fou, il est irresponsable. Ça veut dire qu'il est, il ne se contrôle plus. C'est ça. Il est dans sa logique et je ne veux pas lui enlever la responsabilité. Ouais. Je dis qu'il perd les pédales, mais il n'est pas fou. D'accord. Donc, lui pourrait avoir recours à l'arme nucléaire, comme vous l'avez dit. Il a la moitié de l'arsenal nucléaire de la planète. Il a la moitié de l'arsenal nucléaire de la planète. Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous en rendez compte? Là, voilà. Qu'est-ce qui se passerait? La fin du monde. Et voilà, je sais pas, là, écoutons ça. Il ne se contrôle plus. C'est ça. Il est dans sa logique et je veux pas lui enlever la responsabilité. Ouais. Je dis qu'il perd les pédales, mais il est pas fou. D'accord. Donc, lui pourrait avoir recours à l'arme nucléaire, comme vous l'avez dit. Il a la moitié de l'arsenal nucléaire de la planète. Ouais, et là, qu'est-ce qui se passerait? La fin du monde. La fin du monde. Tout simplement. Il y a pire que ça. Que vous soyez électricité. Porte nuit. Vraiment, ce que nous venons d'entendre, c'est assez inquiétant quand même. Écoutons ça encore. Non mais, tu sais, parce qu'aujourd'hui, il est président de l'Europe depuis janvier, Emmanuel Macron. Donc, la France et l'Europe, est-ce que ça a un poids sur Vladimir Poutine ou aucun? Aucun. Il n'a jamais pris au sérieux. Donc pourquoi il a reçu Emmanuel Macron? Comme ça, c'était... C'était la manipulation. Pendant ce temps-là, il préparait vraiment sa guerre. D'accord. Et donc, en fait, il l'a manipulé. Donc, il s'est foutu de notre gueule. Absolument. On parle aussi de cyberattaque. Ça pourrait aussi vraiment paralyser le pays et les différents pays européens. Les cyberattaques, on sait que c'est très possible que la Russie puisse en faire une sur la France et sur différents pays d'Europe. Ça, c'est quelque chose qu'il peut utiliser très vite. Oui, c'est facile à utiliser. Ils peuvent bloquer quoi? Actuellement, tout est géré par ordinateur. Vous avez les centrales nucléaires qui sont gérées par ordinateur. Vous avez nos trains qui sont gérés par ordinateur. Vous avez nos feux rouges qui sont gérés par ordinateur. On peut paralyser tout le pays. Les hôpitaux. Tout ce qui est géré par ordinateur, il peut bloquer. Parce qu'aujourd'hui, il est président de l'Europe depuis janvier. Tout ce qui est géré par ordinateur, il peut bloquer. Il n'y a plus aucun avion. Vous n'avez plus d'hôpitaux. Vous n'avez plus de trains, plus de bus. Rien. Rien ne bouge. Et ça, il peut le faire, malheureusement. Et ça, c'est possible qu'il le fasse, moi, je pense. Il l'a fait aux États-Unis. Ouais. Oui, donc il peut le faire. Et aux États-Unis, il l'a fait. Les pays baltes aussi. Ils ont bloqué les hôpitaux des pays baltes et une partie du système bancaire également. C'est ça. Donc, il peut le faire. Et ils ont les capacités pour le faire, oui. Et moi, je pense, quand il parle de menace, je pense qu'il parle de ça. Ouais. Il y a l'arme nucléaire et il y a ça, effectivement, oui. Voilà, donc c'est les deux. Je pense qu'il pourrait commencer par ça et après aller encore plus loin. Ouais. Donc comment on ferait si ça arrivait, ça? Parce que ça peut arriver très vite. Donc là, toute l'Europe serait paralysée. Sérieux. Oui. Bon, oui. Le truc, en fait, dans notre KGB, on avait la direction des illégaux. Oui. J'étais dans cette direction-là. Mmh. Et en fait, on avait un détachement rapide. C'était une centaine d'hommes. Avec 100 hommes qui sont bien entraînés, on peut tout ce qui est géré par ordinateur, il peut bloquer. Il n'y a plus aucun avion. Vous avez plus d'hôpitaux, vous avez plus de trains, plus de bus, rien. Rien ne bouge. Ça, il peut le faire très vite. Et ça, il peut le faire. Malheureusement. Et ça, c'est possible qu'il le fasse. Moi, je pense. Il l'a fait aux États-Unis. Oui. Donc il peut le faire. Et aux États-Unis, il l'a fait. Les pays baltes aussi. Ils ont bloqué les hôpitaux des pays baltes et une partie du système bancaire également. C'est ça. Donc ça, il peut le faire. Ils ont les capacités pour le faire, oui. Moi, je pense, quand il parle de menace, je pense qu'il parle de ça. Ouais. Il y a l'arme nucléaire et il y a ça, effectivement, oui. Voilà, donc c'est les deux. Je pense qu'il pourrait commencer par ça et après aller encore plus loin. Ouais. Donc comment on ferait si ça arrivait, ça? Parce que ça peut arriver très vite. Donc là, toute l'Europe serait paralysée.
Sergueï. Oui. Bon, oui. Bah, le truc, en fait, dans notre KGB, on avait la direction des illégaux. Oui. J'étais dans cette direction-là. Mmh. Et en fait, on avait un détachement rapide. C'était une centaine d'hommes. Avec 100 hommes qui sont bien entraînés, on peut tout ce qui est géré par ordinateur, bah il peut bloquer l'Europe en 2 semaines. C'est incroyable parce que ça fait peur. Est-ce qu'on est prêt à affronter une cyberattaque en France? Non, parce que on ne sait pas ce qui va être attaqué et quelle va être l'ampleur des choses qui vont être attaquées. Vous avez des villes qui ont déjà été attaquées, par exemple pour le service des écoles, donc on ne pouvait plus inscrire les enfants à la cantine. Et là, ça désorganise complètement une école. Mmh. Vous avez des hôpitaux qui ont déjà été attaqués, notamment l'hôpital de Nice. Les médias. Et les médias ici. Les médias donc comme on ne sait pas ce qui va être attaqué, ni l'ampleur du dégât, ça peut être simplement un site qui ne fonctionne pas pendant quelques heures, ça c'est pas très gênant. Ouais. Si vous avez tout un réseau qui est complètement détruit, et ben là, ça vous fait beaucoup de temps pour le mettre en place. Et la pire des choses, il coupe l'électricité. Il n'y a plus de Cyril Hanouna. Et c'est une catastrophe nationale. Merci. On est bien d'accord. Ce ne sera pas la pire des choses. Sergueï, ils sont comment les États-Unis avec la Chine? Tout est possible, mais on n'est pas suicidaire quand même. Ouais. On n'est pas suicidaire. Ça veut dire que tout le monde comprend que si jamais on emploie l'arme nucléaire, c'est la fin de bloquer l'Europe en 2 semaines. L'électricité, il n'y a plus de Cyril Hanouna. Et c'est une catastrophe nationale. Merci. On est bien d'accord. Ce ne sera pas la pire des choses. Sergueï, ils sont comment les États-Unis avec la Chine? Tout est possible, mais on n'est pas suicidaire quand même. Ouais. On n'est pas suicidaire. Ça veut dire que tout le monde comprend que si jamais on emploie l'arme nucléaire, c'est la fin de la Terre. Mais est-ce que Vladimir Poutine n'est pas suicidaire? C'est ça la question que je vous pose. Le problème, c'est que je ne veux pas dire qu'il est fou. Parce que s'il est fou, il est irresponsable. Ça veut dire qu'il est, il ne se contrôle plus. C'est ça. Il est dans sa logique et je ne veux pas lui enlever la responsabilité. Ouais. Je dis qu'il perd les pédales, mais il n'est pas fou. D'accord. Donc, lui pourrait avoir recours à l'arme nucléaire, comme vous l'avez dit. Il a la moitié de l'arsenal nucléaire de la planète. Ouais, et là, qu'est-ce qui se passerait? La fin du monde. La fin du monde. Tout simplement. Il y a pire que ça. Sympa que vous soyez vous. L'électricité. Qu'est-ce qu'il y a de plus pire que la fin du monde, les frères et sœurs? Vraiment, ça commence à devenir bizarre, cette affaire. Ah, et je suis en train de voir les bombardements qui se passent en Ukraine. Je me dis, waouh, faut voir les maisons en train d'être détruites. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a de plus important sur la Terre? On voit le bombardement, les hommes se cachent dans les couloirs de leur maison parce que s'ils restent près de la fenêtre, il risque de recevoir une bombe en plein visage. C'est un truc hors du commun. Vous avez vu ça? Pendant que vous êtes tranquillement en train de vous amuser dans les stades à regarder les matchs de football, ces gens-là, eux, ils prennent leur temps pour construire des armes de guerre hors du commun, capables de détruire le monde entier. Est-ce que vous avez vu ça? Le monsieur a clairement révélé que avec les armes nucléaires que possède ce monsieur, le président Vladimir Poutine, le monde pourrait disparaître si la guerre mondiale se déclenchait. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si la troisième guerre mondiale se déclenche et que ces gens-là décident de lancer les bombes nucléaires, les armes nucléaires, c'est sûr que la quatrième guerre mondiale va se passer avec le bois et les cailloux, parce qu'il n'y aura plus rien sur la Terre. Hein? Vous voyez ça? On nous dit que c'est Satan 2! Un missile russe capable de faire de nombreux dégâts. Si vous n'êtes pas au courant ou ne savez pas ce dont ce missile est capable, je vous invite à regarder la vidéo qui va apparaître ici sur l'écran. Ou est-ce que vous êtes choqué? Ah! Je ne savais pas qu'il était capable d'une telle prouesse. Les cyberattaques aussi. Ça devient étrange cette affaire. J'ai deux choses à vous montrer. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et laissez les gens pour nous soutenir. C'est parti.